إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans la lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre des menstrues et des lochis. On avait parlé des menstrues et des lochis et des jugements y faisant attrait. Quelle est la définition des menstrues que l'on a donné la semaine dernière? Qui peut me donner la définition littérale, littéraire et la définition juridique des menstrues? Non. Le sens littéraire, le sens au niveau de la langue arabe et le sens au niveau de la religion. Non. Dans le sens littéral, ça vient du terme harda qui veut dire ruisseler en arabe et au niveau juridique, dans le sens juridique, la même chose qu'au niveau de... Non, une définition. Qu'est-ce que le sang des menstrues au niveau de la religion, au niveau islamique? C'était pas là. Non, ceux qui étaient là. Al-Qadr. C'était pas là. Marvin, t'étais là, toi. Les pertes qui sont par la femme de manière périodique. Eh ouais. Ça, c'est pour les menstrues. Mais le temps n'est pas déterminé, en fait. On avait donné la définition, c'est le sang qui sort des parties intime de la femme une fois par mois pendant une période bien déterminée. Elle est, quand on donne une définition, c'est quelque chose de précis, d'accord? C'est le sang qui sort des parties intimes de la femme, donc le sang qui sort en dehors des parties n'est pas un sang des menstrues, qui sort chaque mois et qui sort pendant une période bien déterminée. Donc le sang qui sort de la femme en dehors de cette période bien déterminée n'est pas considéré comme un sang de menstrue ou un sang de lochi. Non. C'est pareil, menstrue et lochi. C'est pas pareil. On avait dit que le sang des menstrues, c'est le sang des menstrues qui est connu, et le sang des lochi, c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement, et qui varie, qui n'a pas de minimum, mais dont le maximum est 40 jours. Dont le maximum est 40 jours. Taïb. Et quelle est la limite ou le minimum des sangs de menstrues? Il n'y a pas de limite. Non. On avait dit qu'il n'y avait pas de limite. Ni dans un, il n'y a pas de limite, que ce soit un minimum ou un maximum. Il n'y a pas de période bien déterminée par la religion concernant le sang des menstrues. Et concernant le sang des lochis, on avait dit qu'il n'y avait pas de minimum, mais qu'il y avait un maximum de 40 jours. On avait cité le hadith relatif à cela. On avait ensuite parlé des choses qui étaient interdites à faire pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis. Quelles sont ces choses qu'elle n'a pas le droit de faire? Avoir des rapports. Non, avoir des rapports avec son mari. Toutes les choses qu'elle ne peut pas faire. Non, la première, c'est que la femme n'a pas le droit de faire tout ce que
une personne qui n'a pas ses ablutions n'a le droit de faire. D'accord ? Une personne qui n'a pas ses ablutions, les choses qui lui sont interdites sont également interdites à la femme qui a ses menstrues. Et on avait dit qu'il y avait deux choses en plus qui sont interdites à la femme qui a ses menstrues. Quelles sont ces choses ? On avait dit, donc le frère, il a dit la première, qui est d'avoir des rapports avec son mari, et le second, as-sawm. La lecture du Coran, ça rentre dans le cadre de celui qui n'a pas ses ablutions. Et donc la deuxième chose qui distingue la femme qui a ses menstrues, les choses qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Et on avait dit que la femme doit rattraper les jours de jeûne manqués et non les prières. Et non les prières. On avait aussi parlé de la mas'ala, quand est-ce qu'un homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Est-ce que c'est après l'arrêt du sang des menstrues, ou bien est-ce après l'arrêt du sang des menstrues, mais après que la femme ait fait elle rosse. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parlant à son prophète alayhi sallam, et il t'interroge sur le sang des menstrues, « قُلْ هُوَ أَذَا » dit c'est un mal. « فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ » Abstenez-vous ou éloignez-vous des femmes, ne les approchez pas, n'ayez pas de rapport avec elles. C'est ça que ça veut dire le sens du verset. C'est pas ne vous approchez pas, laissez la femme à 2 kilomètres, non. « لَا تَقْرَبُهُنَّ » c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles. « حَتَّى يَطْهُرْنَ » jusqu'à ce qu'elles soient pure. Fa'idha tataharna, ici les savants ont dit, ça veut dire, et lorsqu'elle a fait son ghusl. Fa'idha tataharna, fa'touhunna min haythu amarakumullah. Et lorsqu'elles ont fait leur grand lavage, alors vous pouvez avoir des rapports selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, quel est le jugement de celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est ses menstrues? Quel est le jugement? Ce n'est pas la conséquence, le jugement. Tu le fais par Rachid. Celui qui. On avait dit que celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est en tête de menstrues, on avait dit que le jugement c'était l'interdiction. Que c'était haram. Bil ijma'. Que c'était haram. À l'unanimité des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant qui l'autorise. Et lorsqu'on dit al-ijma', c'est-à-dire qu'avant, il y a des preuves dans le Coran, dans la sunna, et il y a en plus al-ijma' al-ulama, l'unanimité des savants sur le fait qu'il est interdit à un homme d'avoir des rapports avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues. Et on avait cité la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah qui dit qu'un musulman qui croit qu'il est autorisé d'avoir des rapports avec sa femme en état de menstrue, celui-ci est mécréant. Pourquoi? Car il a autorisé une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite dans le Coran. Non. On s'est compris. Il faut être clair, il faut être précis. Non. Et quant à celui qui croit et qui a la conviction que d'avoir des rapports avec sa femme en étant de menstrues est interdit, mais a quand même fait ce péché. Il a quand même fait ce péché, on avait dit que les savants considéraient cela comme un grand péché. Kabira min kaba'iriz dhunub. On avait parlé, on avait cité la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah, qui considère d'avoir des rapports avec sa femme en étant de menstrues comme kabira min kaba'iriz dhunub, comme un grand péché qui pourrait être pardonné. Doit être suivi d'un repentir. On avait parlé de la compensation que doit verser celui qui a eu des rapports avec sa femme en état de menstrues. On avait cité le hadith où le prophète alayhi sallam a dit tasaddaqu bi dinar ou bi nisfi dinar. Il doit donner en aumône un dinar ou bien alors la moitié d'un dinar. À combien correspond un dinar?
40 euros. 300 riyals, j'avais dit. J'avais dit 300 riyals. Un tiers. C'est pas possible, j'ai pas dit 300 riyals. Non, j'ai pas dit un tiers. Donc 150. On est pas aux enchères, les frères, là. 150, 300, non. Et année, c'est à dinar, et ça va, ils ont bien défini la chose. C'est pas, on n'est pas aux enchères, là. Non, on avait parlé, là, on avait cité la parole de lui-même, de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, qui dit que c'est les 4 septièmes d'un Junayh Saoudi. On avait dit qu'un Junayh Saoudi, c'est aux alentours de 300 riyals. D'accord ? Donc il faut prendre les 4 septièmes des 300 riyals. Et on avait dit que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, avait défini le dinar aux alentours de 150 riyals. D'accord ? Et année, on avait dit que ça oscillait entre 150 et 170 riyals. Donc aux alentours de. Aux alentours de combien ? Aux alentours de 40 euros. Aux alentours de 40 euros. Mais 40 euros sont justifiés. C'est 4 septièmes d'un Junayh Saoudi. Et on avait expliqué la différence. Pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salatu salam, dans ce hadith, a donné le choix entre un dinar et la moitié d'un dinar? Quelle explication on avait donnée? On avait donné deux explications. La première, c'était l'explication de la plupart des savants. C'était le prophète Ibn Abbas, rahimahullah, radiyallahu anhu, qui dit que la différence entre un dinar et la moitié d'un dinar, celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant le début de la période, il doit donner un dinar. Car c'était le début de la période et le sang était en grande quantité. Et celui qui a eu des rapports avec sa femme vers la fin de sa période, donc une période où il y a moins de sang, il doit donner en aumône la moitié d'un dinar. Et on avait aussi cité l'explication que Cheikh Al-Albani rahimahullah avait donnée. Il a dit que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a donné le choix en fonction des personnes et de leur richesse. Celui qui est riche, qu'il donne un dinar. Celui par contre qui a des problèmes financiers ou qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas beaucoup d'argent, lui, il lui est autorisé de donner la moitié d'un dinar. Tayyib. Donc on continue, inshallah, tabaraka wa ta'ala. يقول المؤلف الاستحاضة. الاستحاضة هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح. Donc, al-istihada, le sang, que je traduis moi par le sang de l'hémorragie, c'est un sang qui sort en dehors de la période des menstrues et des lochies, ou bien qui est collé à cette période. Aw muttasilan bihima. Fa in kana al-awwal fa wadih. Donc, le sang, lorsqu'il sort, ce sang de l'hémorragie, lorsqu'il sort en dehors des périodes des menstrues et des lochies, il est facilement détectable. La femme peut facilement le reconnaître. Pourquoi ? Pourquoi la femme peut facilement le reconnaître ? Non ? Parce qu'il est en dehors des périodes. Pendant la période, la femme qui connaît ces périodes, elle sait que pendant cette période, c'est la période de ses menstrues ou bien la période de ses lochies. Et si elle voit un sang qui sort en dehors de ces périodes, automatiquement, c'est un sang de istihada, un sang d'hémorragie. Ou muttasilan bihima, ou bien qui suit ou qui colle ces périodes. Le sang de l'hémorragie peut sortir de la femme juste après. D'accord ? Il n'y a pas de séparation. La femme peut avoir le sang de l'hémorragie qui sort sans séparation en temps. Elle a du sang perpétuel qui sort d'elle. D'accord ? Il y a toujours du sang qui sort de la femme. Dans ce cas, donc dans ce deuxième cas, il y a trois situations. Lorsque la femme a une perpétuelle perte de sang, il y a trois situations. فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَادَةً فما زاد على عادتها فهو استحاضة
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي حديث صحيح رواه مسلم. Donc la première situation, c'est lorsque la femme est réglée, c'est-à-dire qu'elle connaît ses périodes. Elle connaît ses périodes de menstrues et de lochie. La femme qui connaît sa période de menstrues, le sang qui sort de la femme en dehors de cette période, elle sait que c'est un sang d'hémorragie. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li ummi habiba, la preuve est la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Umm Habiba, abstiens-toi le temps que t'abstenais tes menstrues, puis lave-toi et prie. Donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Umm Habiba qui avait dame l'istihada, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui dit de s'abstenir de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec son mari, d'accord, pendant la période de ses menstrues, et lorsqu'elle sait que sa période des menstrues elle est finie, mais que le sang continue à couler, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irtasili wa salli. Lorsque tu es convaincu que la période est terminée, le sang qui sort de toi, considère-le comme un sang d'hémorragie, puis lave-toi, fais al-irtisal et prie. Donc ça c'est la première situation. وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. La deuxième situation, lorsque la femme ne connaît pas sa période, la période de ses menstrues, lorsqu'elle ne connaît pas la période de ses menstrues, comment est-ce qu'elle peut différencier entre le sang des menstrues et le sang de l'hémorragie? Le cheikh dit, la deuxième situation, c'est la femme a la possibilité de pouvoir différencier les deux sangs. Le sang des menstrues est noir et connu. Le sang des menstrues est noir et connu. Connu, c'est-à-dire, dans le hadith, ya'rif ou yu'raf. Ya'rif, c'est-à-dire qui dégage une odeur nauséabonde, qui dégage une mauvaise odeur. Wa ghayruhu istihada. Et l'autre sang qui sort et qui n'est pas noir, la femme doit le considérer comme étant un sang d'hémorragie. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit idha kana damu al-hayd fa innahu aswadun ma'ruf, si c'est le sang des menstrues, c'est alors un sang noir et connu, abstiens-toi alors de prier, et si c'est un autre sang, alors fais tes ablutions, car ce n'est qu'une hémorragie. Donc le prophète alayhi salatu wasalam dans ce hadith a donné à Fatima bint Abi Hubaysh un repère et lui a dit que Damul Hayd, le sang des menstrues, est noir et connu. Et tout ce qui n'est pas, le sang qui sort de toi qui n'est pas noir et connu, d'accord, considère-le comme un sang d'hémorragie. Fatawadda'i fa'innama huwa irqun. Fais alors tes ablutions, car ce n'est qu'une veine. Donc ça, c'est la deuxième situation. La troisième, فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. Maintenant le cas, la troisième situation, une femme qui avant d'avoir atteint l'âge de la puberté avait déjà دم الاستحاضة, avait déjà le sang de l'hémorragie avant d'être pubère. Autrement dit, elle n'a jamais connu ni la période de menstrues ni le type de sang. D'accord? Les savants disent que cette femme qui a eu son sang d'hémorragie avant l'âge de la puberté, puis
une fois l'âge de la puberté atteint, elle ne sait plus différencier les deux sangs. Car elle ne connaît pas la période des menstrues et elle ne sait pas différencier entre les deux. Les savants disent qu'elle doit se comparer aux femmes de sa famille, aux femmes de son âge et de sa famille, et de prendre, de considérer leur période de menstrues générale comme la sienne. رجعت إلى غالب عادة نسائها لقوله صلى الله عليه وسلم لحمن بنت جحش إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 أيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc la preuve est le hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à Himna بنت جحش, ceci est une incitation ou une impulsion du diable. Considère alors 6 jours de menstrues ou bien alors 7 selon la science d'Allah. Puis fais ton grand lavage jusqu'à ce que tu vois que tu es pur et que tu accentues dans ton lavage. Prie alors 24 jours ou bien 23 jours et leur nuit. Puis jeûne, wasumi, et jeûne, yani pendant ces 23 et 24 jours. Fa'inna dhalika yujzik, cela te suffira. Wa kadhalika fa'ali fi kulli shahr, et fais de même pour, pendant chaque mois. Kama tahidu an-nisa, comme les femmes ont leur menstrues. Donc dans ce hadith, les savants, rahimahumullah, en ont déduit qu'une femme qui n'a ni la possibilité de connaître la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues des sangs de l'hémorragie, de regarder les femmes de son âge, les femmes de sa famille de préférence, de regarder leur période de menstrues et de prendre cette même période. Car le prophète, alayhi sallam, a dit à Himna bint Jahsh de considérer 6 jours ou 7 jours comme période de menstrues. Puis, le prophète alayhi sallam lui a dit de se laver et ensuite de prier 24 ou 23 jours et de jeûner pendant ces 24 et 23 jours. Si c'est soit c'est un jeûne surérogatoire ou bien le jeûne du Ramadan. Et ensuite, de faire cela chaque mois comme le font les femmes. Yani, les femmes au temps du prophète, la période de leur menstrue était d'à peu près 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. C'est pour ça que le prophète lui a dit « Tahiri sitata ayyam aw sab'ata ayyam fi ilmillah ». Donc ça, c'était les 3 situations concernant la femme et le sang de l'hémorragie. Ahkam al-mustahaba, les jugements relatifs à la femme qui a le sang des hémorragies. La yahrumu ala al-mustahabati shay'un mimma yahrumu bil-hayd illa annahu yalzamuha al-wudu li kulli salah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Fatimah bint Abi Hubaysh thumma tawaddai li kulli salah hadith sahih rawahu Abu Dawud ibn Majah. Donc, les jugements concernant la femme qui a le sang d'hémorragie, il n'est pas interdit à la femme qui a le sang d'hémorragie ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a le sang d'hémorragie, est-ce qu'elle a le droit de prier? Est-ce qu'elle a le droit de jeûner? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari? Non.
illa annahu yalzamuha al-wudu li kulli salah. Sauf que cette femme qui a le sang d'hémorragie doit faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith du prophète alayhi sallam lorsqu'il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, thumma tawaddai li kulli salah. Puis fais tes ablutions avant chaque prière. Ces ablutions sont surérogatoires ou obligatoires? Obligatoires. ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة. Et il est également légiféré à la femme de faire al-ghusl, le grand lavage, avant chaque prière, comme cela a été vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Non. Non, non, on avait dit que l'avis du cheikh était que la femme, qu'il était préférable à la femme de faire al-ghusl avant chaque prière. On avait cité la parole d'autres savants qui, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, qui disent que la femme, il lui est préférable de faire al-ghusl avant chaque prière à condition de les regrouper. Car on avait dit que la femme qui a le sang de l'hémorragie a le droit de regrouper ses prières, a le droit de faire al-jam' bayna al-tuhr wal-asr bayna al-maghribi wal-isha. On avait cité le hadith. On avait cité le hadith du prophète sallam où il était légiféré à une femme qui s'est menstruée de faire al-jam, de rassembler les prières de dhuhr et de l'asr, de l'maghrib et de l'isha, et de prier le fajr. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que de dire à une femme de faire al-ghusl avant chaque prière, autrement dit de faire 5 ghusl, cela est une contrainte. C'est une contrainte pour la femme. Le hadith, lorsqu'il parle de l'ghusl, il parle de l'jama en même temps. C'est-à-dire la femme qui veut faire al-ghusl, le grand lavage, elle doit également faire al-jama, rassembler les prières. Et en rassemblant les prières, la femme ne fera que 3 lavages au lieu de 5. Non, c'est préférable. Al-ghusl, dans tous les cas, il est préférable. Et non obligatoire. Si elle fait le dos, elle peut jmer. Elle n'est pas obligée de jmer pour faire le rosul. Non, ce sont deux choses différentes. Pas de questions? Donc là, on a fini le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Et on va entrer, Inch'Allah, maintenant, on va entamer le livre. Le livre de la prière, Kitab al-Salah. Al-Salah, donc la prière, comme on avait dit la semaine dernière et dans les cours précédents, lorsqu'on entame un nouveau chapitre, il est préférable de donner la définition des termes qu'on utilise. Quand là on rentre dans le livre de la prière, il est bien de savoir qu'est-ce que le mot prière signifie. Tant au niveau de la langue arabe qu'au niveau juridique. D'accord ? As-salah lughatan huwa ad-du'a. La prière, son sens littéraire, son sens au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. Qui connaît la preuve ? Qui peut m'apporter une preuve dans le Coran que as-salah, ça veut dire ad-du'a ? Il y a un verset que tout le monde connaît. Personne? Inna Allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, sallu alayhi, prier sur lui, c'est-à-dire invoquer pour lui. Wasallimu taslima, et saluez-le de la meilleure des façons. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le mot salah comme dans le sens de dua, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi sallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi sallam, khudh min amwalihim, prends de leur argent. Argent de qui? Des riches.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. Prends de leur argent une aumône qui les purifiera. وتزكيهم بها et qui les purifiera. وصلي عليهم et fais des invocations pour eux. Donc la preuve que as-salah au niveau de la langue arabe, ça signifie l'invocation. واصطلاحاً et au niveau religieux, le sens religieux, qui connaît la définition de la prière. Et il vous dit, la prière, c'est quoi la prière? La définition de la prière. Non, la cinq prières, c'est cinq prières. Là, tu m'as dit le nombre, le chiffre. Mais la prière, c'est quoi, la définition? Hein? Une adoration, la zakat, c'est une adoration aussi. Non, il y a une définition, je veux, une définition. La prière, qu'est-ce que c'est? Non. Des gestes, des paroles, et dans un ordre, une classification. T'as bien commencé, t'as mal fini. C'est des gestes, sahih. La prière, c'est des gestes, des paroles, qui commencent par le takbir, et qui finissent par le tasbih. Voilà, c'est ça la prière. C'est simple que ça. هي الأفعال والأقوال التي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم. يقول المؤلف الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Donc les prières obligatoires sont au nombre de cinq: الظهر, العصر, المغرب, العشاء et الفجر. Et Al-Fajr, il y a des hadiths qui nomment Al-Fajr Al-Subh. Et ça, c'est aussi au niveau des écoles juridiques. Vous allez voir certaines écoles qui vont appeler Al-Fajr Al-Subh et Al-Subh Al-Fajr. Et ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. D'accord? Et certains disent que Al-Subh, c'est la prière obligatoire, et Al-Fajr, ce sont les deux. Les deux raka'at qui sont surérogatoires que l'on fait avant la prière obligatoire. D'accord? Donc tout ça, ce sont des termes. Après, il faut simplement être sûr du terme qui est employé et de son sens. Et certains peuvent employer al-fajr en voulant dire la prière obligatoire, d'autres peuvent employer al-fajr en voulant dire la prière surérogatoire. Et il faut demander explication et éclaircissement. D'accord? Mais les hadiths du prophète, comme on verra plus tard, certains hadiths la nomment al-subh, donc la prière obligatoire, et d'autres hadiths nomment la même prière obligatoire al-fajr. Donc les prières obligatoires sont au nombre de cinq. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسة ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit: les prières ont été rendues obligatoires sur le prophète عليه الصلاة والسلام la nuit où il a fait l'ascension. Leur nombre était de 50. Thumma nuqisat. Puis elles ont été diminuées jusqu'à atteindre le nombre de 5. Puis le prophète alayhi salam a été appelé. Il a été dit: ô Muhammad, ma parole ne change plus. Tu as maintenant 5 prières pour 50. Tu as 5 prières pour 50. C'est-à-dire 5 prières que tu accompliras et dont tu auras la récompense de 50. Donc là, dans ce hadith, le cheikh l'a cité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a cité ce hadith? Pour prouver que les prières qui sont obligatoires sont au nombre de 5. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس
إلا أن تطوع شيئا. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Talha ibn Ubaidillah, qu'Allah l'a agréé, il dit qu'un bédouin est venu vers le prophète alayhi salam. Ce bédouin avait les cheveux décoiffés, sa'ira ra's. Faqala ya Rasulallah, il a dit, ô envoyé d'Allah, informe-moi de ce que Allah a ordonné comme prière. Le prophète alayhi salam lui a répondu, As-salawatul khams, les cinq prières, sauf si tu veux faire un plus. Illa an tattawwa'a shay'a, sauf si tu veux en faire plus. Et le plus, il sera considéré comme surérogatoire. Donc là, dans ces deux hadiths, on voit bien que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5. Pourquoi est-ce que le cheikh dit que insiste sur le fait que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5? Pourquoi? Parce que d'autres savants disent qu'il y a plus que 5 prières. Certains considèrent al-witr comme obligatoire. Le Hanafiya considère al-witr comme obligatoire. Et l'avis le plus sûr, l'avis de la plupart des savants, est que al-witr est très recommandé, que le prophète alayhi sallam ne l'a jamais délaissé, que ce soit qu'il soit résident ou voyageur, mais en aucun cas al-witr est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. Manzilatuha fid din, la place de la prière dans la religion. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حديث متفق عليه. سن عبد الله بن عمر كالله لزقري أجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم أجي الإسلام repose sur 5. الإسلام est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage et de jeûner le ramadan. Donc on en déduit, qu'est-ce qu'on en déduit comme place de la prière dans la religion? Hein? C'est un pilier. La prière est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Il y a ruknun min arkan l'islam. Hukmu tarikiha, le jugement quant à celui qui la délaisse. Ajma' al-muslimun ala anna man jahada faridat as-salah faqad kafar wa kharaja 'an l'islam. Les musulmans et les savants à l'unanimité sont unanimes sur le fait que celui qui nie l'obligation d'accomplir la prière devient alors mécréant et sort de l'islam. Celui qui considère la prière comme n'étant pas obligatoire, il est considéré à l'unanimité des savants comme étant sorti de l'islam. Et malheureusement, à notre époque, certaines personnes en sont arrivées à ce point-là. Au point de dire, réveillez-vous là, on est au 21e siècle, c'est fini l'époque où on pousse son front par terre, les gens ils montent sur la lune maintenant, c'est fini cette époque archaïque. Voilà, yadu billah, des personnes qui en sont arrivées à dénigrer et à rabaisser la prière à ce point. Wahad al-ashak, celui qui sort une parole comme celle-ci, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière à son prophète alayhi sallam au-dessus des 7 cieux. La seule adoration qui a été ordonnée au prophète alayhi sallam directement au-dessus des 7 cieux, c'est quoi? C'est la prière. La seule adoration qui ne peut pas être compensée par une autre, c'est laquelle?
Salah. Celui qui est malade, celui par exemple qui est pauvre, est-ce que la zakat lui est obligatoire? Non. Celui qui est malade, est-ce que le jeûne lui est obligatoire? Non. Celui qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit un pauvre. D'accord? Il y a une compensation. Celui qui n'a pas les moyens d'aller au pèlerinage, est-ce qu'il y a une compensation derrière? Non. Par contre, la prière. Celui qui a un souffle de vie, qui a sa raison, il doit faire sa prière. Celui qui ne peut pas faire les ablutions avec de l'eau, qu'il fasse at-tayammum. Celui qui ne peut faire ni les ablutions, ni at-tayammum, qu'il prie sans ablution. Celui qui peut prier debout, il doit prier debout. Celui qui ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, qu'il prie allongé. S'il ne peut pas prier, il ne peut pas bouger sa tête, il bouge ses yeux. S'il ne peut pas bouger ses yeux, il prie comme dans l'état où il est. À partir du moment où il a encore un souffle de vie et qu'il a sa raison, la prière lui est obligatoire. Dans tous les cas. Il n'y a rien qui la remplace. La prière, rien ne la remplace. Pour montrer l'importance qu'a cette prière dans notre religion. طيب لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. Et là où il y a la divergence entre les savants, c'est quant à celui qui délaisse la prière tout en étant convaincu et en ayant la conviction et la foi que cette prière est obligatoire. Mais malgré le fait qu'il sache que cette prière n'est pas est obligatoire, et la délaisser, c'est là où il y a une divergence des savants. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et la cause de la divergence sont des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام qui nomment le fait de délaisser la prière comme étant de la mécréance, sans différencier le pourquoi du délaissement. Dans les hadiths, il n'est pas stipulé pourquoi la personne a délaissé. Est-ce qu'elle a délaissé par fainéantise ou est-ce qu'elle a délaissé en reniant son obligation? Les hadiths du prophète sont généraux, sont globaux. Parmi ces hadiths, le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a entre l'homme et la mécréance, le délaissement de la prière. Il y a entre l'homme et la mécréance, le délaissement de la prière. Donc la limite, la chose qui sépare l'homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud. Et le second hadith, hadith Buraydah, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dire: le pacte qu'il y a entre nous et eux, entre nous et eux, c'est-à-dire entre eux, nous et les mécréants, la prière, le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a alors mécru. Celui qui la délaisse a alors mécru. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى. Et ensuite le cheikh dit: mais l'avis le plus fort, l'avis le plus probable parmi les avis des savants, c'est que le kufr, la mécréance qui a été citée dans les hadiths, dans les hadiths précédemment cités, signifie la petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas la personne de l'islam. Et ceci
en rassemblant les hadiths du prophète alayhi sallam qui ont été précédemment cités avec d'autres hadiths. Donc les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est un mécréant, leur preuve ce sont les hadiths qu'on a cités auparavant. La différence qu'il y a entre un homme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Et l'autre hadith du prophète alayhi sallam, le pacte qu'il y a entre nous et eux et le délaissement de la prière, celui qui la délaisse a alors mécru. Et le cheikh dit, mais l'avis le plus probable, le plus fort, c'est que la mécréance qui a été citée dans les hadiths est une petite mécréance et non une grande mécréance. Est-ce que vous connaissez des hadiths du prophète où le terme mécréance a été cité, mais il signifie la petite mécréance et non la grande? Sibab al-Muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Insulter un croyant est de la perversité et le tuer est une mécréance. Mais tuer quelqu'un, est-ce que ça rend la personne mécréante? Non. Donc. Non, là, c'est un autre hadith. Il dit ne vole pas celui qui vole en état de vol. En étant croyant. C'est un autre hadith. Et dans ce hadith, les savants sont unanimes que la mécréance dans ce hadith-là, dans le hadith que, où le professeur Sam dit d'insulter un croyant est une perversité et de le tuer est une mécréance, les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance dans ce hadith signifie la petite mécréance et non la grande. D'accord ? Donc il y a des hadiths du professeur Sam, la mécréance se divise en deux. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Le sunna, il divise la croyance en deux. Al-kufru al-akbar ou al-kufru al-asrar. Non. Et donc, le cheikh dit que l'avis le plus juste est que la mécréance qui a été citée dans le hadith, d'accord, signifie la petite mécréance. Et les savants disent que la preuve, c'est que le prophète a dit « faqad kafar ». Il a alors mécru. Il n'a pas dit faire kafir. Et il y a une différence entre dire kafa et dire kafir. Il y a une différence entre dire kafa mécru et kafir mécréant. Ce sont deux termes qui ne veulent pas forcément dire la même chose. Et donc le shir dit, et ceci en rassemblant les hadiths du Prophète avec d'autres hadiths, parmi ces hadiths, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه وأحمد وأبو داود وابن ماجه. Premier hadith est le hadith de Ubad ibn Samit qu'Allah l'a gré, qui dit j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire cinq prières qu'Allah a ordonné et a rendu obligatoire envers ses serviteurs. Celui qui les accomplit sans les délaisser et sans manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala alors prend alors l'engagement de rentrer cette personne au paradis. كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Allah prend alors l'engagement de l'entrée, d'entrer cette personne au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, فليس له عند الله عهد. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun engagement envers lui. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et Malik, l'imam Malik dans son Muwatta.
طيب, quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière par fainéantise ou en ayant conviction de son obligation, quelle est la preuve dans ce hadith qu'il n'est pas mécréant? Non. La preuve, c'est que dans ce hadith, le prophète a dit celui qui la délaisse, celui qui délaisse les prières, Allah n'a aucun engagement envers lui. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. D'accord? Or, si c'était un mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à celui qui est associé, à celui qui lui a associé quelqu'un ou quelque chose, mais il pardonne à toute autre personne. Mais il pardonne à toute autre personne qu'il veut. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Donc, le mécréant, lorsqu'il meurt en étant mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Donc, il n'a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. D'accord? À partir du moment où une personne, lorsqu'elle meurt, il y a possibilité qu'elle soit pardonnée, possibilité qu'elle soit châtiée, c'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. C'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. Et c'est ce que dit le cheikh juste après. فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَمْرَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ إِلَى مَشِئَةِ اللَّهِ عَلِمْنَا أَنَّ تَرْكَهُنَّ دُونَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et donc le cheikh dit, et le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il a considérer celui qui a délaissé la prière comme étant sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire soit Allah le pardonne ou soit il le châtie, nous avons alors su que celui qui les délaisse n'est pas un mécréant. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelque chose ou quelqu'un, mais il pardonne à toute autre personne qu'il veut. Second hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. Un autre hadith, le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, qui dit, j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire, la première chose par laquelle le serviteur musulman sera jugé le jour du jugement sera la prière obligatoire, as-salatul maktouba. Si il l'a bien accompli, sinon on dira regardez s'il a des prières surérogatoires. S'il a alors des prières surérogatoires, complétez alors ses prières obligatoires, et il sera fait ainsi avec chaque acte obligatoire similaire. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi sallam nous dit que la première chose par laquelle nous serons jugés le jour du jugement sera la prière. La prière obligatoire. Si la prière obligatoire était complète, c'est-à-dire qu'elle a été faite avec sincérité et conformément à la sunna du prophète alayhi sallam, dans ce cas, on passera au jugement des autres actes. Mais si cette prière obligatoire n'est pas complète, il sera dit, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges de regarder est-ce qu'il y a des prières surérogatoires que cette personne a faites qui pourront compenser le manque de ces prières obligatoires. D'accord ?
Et il sera fait ainsi avec tous les actes. Il sera fait ainsi avec tous les actes. D'accord ? Comme le jeûne par exemple. Le jeûne obligatoire, s'il n'était pas complet, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ce qu'on regarde son jeûne surrogatoire pour qu'il vienne compléter le manque du jeûne obligatoire. Ainsi de suite, avec tous les actes. Quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant? La preuve, c'est que le prophète salam, a dit s'il l'a faite, fa'inatammaha, sinon de regarder à tatawwa. D'accord? Mais s'il ne l'avait pas faite, que c'était un mécréant, il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite. D'accord? Il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite. À partir du moment où la suite, où on regarde s'il y a éventuellement des prières surrogatoires, c'est-à-dire que cette personne, elle est musulmane. D'accord? Et qu'il y a une possibilité qu'elle entre au paradis. Non. Ben, le manque, ça peut être un manque total ou un manque partiel. C'est-à-dire ben, soit la personne ne l'a fait pas, d'accord, ou soit la personne l'a faite ou ne l'a pas faite entièrement. On a fait 2 prières par jour, 3 prières par jour, d'accord. Le manque, après, il est relatif, ça dépend. Ça peut être un manque total comme un manque partiel. Est-ce que vous dites, c'est par rapport à des choses qu'on devait faire, par exemple, sur la prière et qu'on n'a pas faites? Ça peut être aussi en rapport à ça. Ça peut être un manque de khushu. Ça peut être un manque de, au niveau de l'arcane, des piliers de la prière. Comme de faire un recours comme il se doit, de faire un sujoud comme il se doit. Non, ça se fait compléter par les prières surrogatoires. Et c'est là où on répond aussi aux adeptes des épluchures, dont on avait parlé la semaine dernière, ceux qui disent que les gens de la sunna perdent leur temps à parler de futilité, de parler de ci, de ça. C'est là où on voit où les choses surrogatoires ont leur importance. D'accord? Les choses surrogatoires ont leur importance sur quoi? Parce que Yom al-Qiyama, elles nous serviront à compléter les manques qu'on a eus dans nos adorations et dans nos œuvres obligatoires. Non. وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le troisième hadith, c'est le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, qui dit le prophète alayhi salatu wa salam a dit yudrasu l'islam kama yudrasu washu thaw. Yudrasu l'islam, ça signifie que l'islam s'usera. Si on traduit textuellement, l'islam s'usera comme s'use. Washu thaw, ce sont les broderies qui sont dans les vêtements. Au fur et à mesure du temps, ces broderies s'usent. D'accord? Et le prophète alayhi salam a comparé l'usure de l'islam, entre guillemets, à l'usure des vêtements brodés. Hatta la yudra, jusqu'à ce que les gens ne savent plus ce qu'est jeûne, ce qu'est prière, ce qu'est sacrifice, ce qu'est aumône. Et il va arriver un temps où les gens ne sauront même pas ce que c'est que as-sawm, ne sauront même pas ce que c'est que la prière, ne sauront même pas ce que c'est que de sacrifier une bête, ne sauront pas ce que c'est que l'aumône,
Ça, c'est vers la fin des temps. Il y a des hadiths du prophète, il dit « La taqoumu sa'a illa ala shirar innas ». L'heure n'arrivera ou ne surviendra que sur les pires des créatures. Et un autre hadith du prophète, « La taqoumu sa'a wa ala al-ard man yaqulu Allah Allah ». L'heure n'interviendra alors que sur terre il n'y aura personne qui puisse dire Allah Allah. À ce point, il n'y aura plus de musulmans. Il y aura la pire des créatures. L'heure interviendra et lorsqu'elle interviendra sur terre, il n'y aura que les pires créatures. Voilà, ya billah. Hatta la yudra, à tel point que jeûne, les gens ne sauront même pas ce que c'est que de jeûner, ne sauront pas ce que c'est que de prier, ne sauront pas ce que c'est que de donner de l'aumône. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layla. Wala yusra, et le Coran sera ôté. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran. Les gens se lèveront le matin, ouvriront les masahib, verront que tes pages blanches. Parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever le Coran. Élever le Coran et se vendise dans tous les sens. Les gens qui l'avaient dans leur poitrine, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera. Ceux qui connaissaient le Coran par cœur, ils ne le connaîtront plus. Et tous les masahif, tous les Corans qui seront présents sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran et les pages seront blanches. Wa la yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layla, fala yabqa fil ardi minhu aya. Il ne restera sur terre ne serait-ce qu'un verset. Il n'y aura plus aucun verset sur terre. Non. Ça prouve qu'il est préservé. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. Il restera des personnes, des vieilles personnes, qui diront أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. Nous avons connu nos pères et nos mères selon, nous les avons connus en disant cette parole La ilaha illallah فنحن نقولها. Et nous la disons également. يعني à cette époque, il n'y aura que des personnes âgées qui se rappelleront que leurs parents disaient la ilaha illallah et nous on dit la ilaha illallah. Et autrement dit, il n'y a que les vieilles personnes qui diront la ilaha illallah. Les jeunes, khalas, ils auront tout oublié. Wala yad billah. Faqala lahu Silah. Et Silah a dit à Hudayfa, car c'est Hudayfa radiallahu anhu qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Silah lui a dit, est-ce que la ilaha illallah les sauvera alors qu'ils ne savaient même pas ce que c'est que prière, ce que c'est que jeûne, ce que c'est que sacrifice et ce que c'est qu'aumône? Et Hudayf radiallahu anhu s'est éloigné de cela. Yani, il l'a esquivé. Fa'arada anha. Thumma raddaha alayhi thalathan. Et cela lui a réitéré sa phrase. Est-ce que la ilaha illallah leur servira et les sauvera alors qu'ils ne savaient pas ce que c'est que prière, que jeûne, que sacrifice et qu'aumône? Et Hudayf radiallahu anhu l'a esquivé trois fois. Kullu dhalika ya'ridu anhu Hudayfa. À chaque fois, Hudayf radiallahu anhu esquivait cela. Thumma aqbala alayhi fi thalitha. Puis après la troisième fois, Hudayf radiallahu anhu est parti vers Silah et lui a dit ya Silah, ô Silah, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer, elle les sauvera du feu de l'enfer. C'est-à-dire, la ilaha illallah. La ilaha illallah les sauvera de l'enfer. Autrement dit, ils seront musulmans même s'ils n'ont pas fait la prière. Même s'ils n'ont pas fait la prière. Et ça, c'est un hadith que utilisent les savants qui rendent celui qui délaisse la prière musulman, comme Cheikh l'Albani rahimahullah. Il rend ce hadith authentique. Et d'autres savants, comme ceux qui rendent ceux qui délaissent la prière mécréant, rendent ce hadith daif, rendent ce hadith faible. Et Cheikh l'Albani rahimahullah leur a répondu avec les preuves que ce hadith n'est pas faible, mais au contraire il est authentique. Un autre hadith que Cheikh l'Albani rahimahullah utilise, c'est le hadith de l'Bitaqa qu'on avait vu dans les cours précédents. Le hadith de la carte.
connaissez le hadith de la carte, celui qui viendra le jour du jugement alors qu'il n'aura accompli aucun bien, et tous ses actes, tous ses péchés seront mis d'un côté de la balance, et il sera sorti une carte que l'on mettra, qui sera mise sur l'autre plateau de la balance, et cette carte sera plus lourde que tous les péchés de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Innaka la tuzlamu al-yawm » Aujourd'hui, tu ne seras point offensé. Et cette carte, il s'avérait que c'était « La ilaha illallah » Cette parole que cet homme avait dit et qu'il a sauvé du feu de l'enfer le jour du jugement alors qu'il n'avait accompli aucun bien. Non. À partir du moment où il avait dit « La ilaha illallah » il était considéré comme musulman et donc sous la mashi'a, sous la volonté d'Allah, soit de lui pardonner, et soit de le châtier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il pardonne à quelqu'un, c'est par son bienfait, par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il châtie quelqu'un, c'est par justice. Na'am. طيب ونكتفي بهذا القدر. Donc on continuera inchallah la semaine prochaine. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.